Vendredi 10 novembre 2017. Le texte du jour. Elle disait, « Si je touche, ne serait-ce que ces vêtements de dessus, je serai rétabli. » Marc 5, verset 28. Comprenons que c'était son père, Jéhovah, qui venait de guérir la femme, Jésus l'a traité avec bienveillance. Il lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a rétabli. Va en paix et sois guérie de ta pénible maladie. » Marc 5, verset 34. Que Jésus est bon! Nous constatons que les humains touchés par la maladie ont une place particulière dans son cœur. Satan veut nous convaincre que personne ne nous aime et que nous ne valons rien. Par ses miracles, Jésus a clairement prouvé qu'il se soucie vraiment de nous et de nos problèmes. Quel grand prêtre compatissant! Hébreux 4, verset 15. Nous avons peut-être du mal à comprendre ce que ressentent les personnes atteintes d'une maladie chronique, en particulier si nous ne sommes pas passés par là. Mais souvenons-nous que Jésus comprenait ce qu'éprouvaient les malades, alors qu'il ne l'était jamais. Sentons-nous poussés à l'imiter du mieux que nous pouvons ?